Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo sur le mode enragé de Call of Duty Warfare. C'est un mode qui est ajouté comme toutes les semaines il peut y avoir. Et là c'est un mode où il faut tuer des gens. Par la suite un compteur de 30 secondes va apparaître. Et si on tue pas quelqu'un dans les 30 secondes à venir, eh ben on explose tout simplement. Le but est de cumuler des points. Quand vous tuez quelqu'un avec un timer activé et que vous retuez encore d'autres personnes derrière, et ben ça va doubler les points pour l'équipe. Et le but c'est d'arriver à 150 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc c'est bien, ça empêche de faire camper les gens. Donc tout le monde va bouger un peu son cul une fois que t'as tué quelqu'un. Ou alors il suffit juste d'attendre. Donc on retrouve toutes sortes de maps, donc comme cette map là. On peut aller sur Shipment où là ça va bien sûr beaucoup plus vite. Donc là pas le temps d'exploser, je pense que 30 secondes ça va très vite. Ce mode existe uniquement en mode normal, malheureusement pas en mode hardcore. Je trouve qu'ils ont tendance à oublier un peu tout cela. Donc on se retrouve avec une introduction et après gameplay. Y'a personne. Ah y'a personne, j'ai fait exploser. Petit. Putain. Roquette pour roquette, dent pour dent. Voilà, donc là les points. Là les points ça y va là. Là les points ça y va mon pote. Ouais, allez, bonne série, une bonne série. Oui, oui bébé, la dame. Oui bébé, oui, vas-y. Allez, hélicoptère. Avec ma bite. Oui. Hélicoptère. Ah, la grenade. Faut pas que je meurs. Ah, faut pas que je meurs. Eh bien, je sais pas qui c'est qui conduit mon avion, mais... Ah bah voilà, enfin tu me donnes un kill. Non mais oh. Ah deux. Ah c'est bien. Pas trop mal. Ah mais il me reste 14 secondes, j'ai pas vu. Ah là il y en a. Viens là. Il me reste 10 secondes, viens mourir. Parfait, merci. Merci. Ok, ça prend pas ses roquettes. Attends. Victoire.